Madame, Monsieur, bonsoir. Restez debout pour honorer la mémoire des fils tombés pour la patrie. Le Niger commémore les 61e année d'accession à l'indépendance sur fond de résilience. À ses côtés, pour un soutien, le président du Faso. Nous serons dans un instant à Tillabéri, chef-lieu de la région de l'Ouest du pays. Deuxième jour du procès dit du charbon fin, les avocats de la partie civile en appellent aux mesures conservatoires. Ils demandent la confiscation des biens de la société Issakane à hauteur d'au moins 450 milliards de nos francs, l'équivalent des cargaisons de 2015, 2016 et 2018. Un aperçu des débats en début de journal. Le vote est qualifié d'historique aux États-Unis dans la procédure d'impeachment qui vise Donald Trump. Démocrates et républicains débattent pour l'adoption des articles de mise en accusation formelle. Le président américain devient dès lors le troisième de l'histoire à être visé par cette procédure. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Ce 18 décembre, c'est le 61e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République du Niger. Une commémoration faite en mémoire des 71 militaires tombés à Inates et sur fond de mobilisation sociale. L'ensemble des pays du Sahel joue désormais la carte de la vigilance. Le soutien au peuple frère a été manifesté ce matin à Tillabéri pour la commémoration. Le chef de l'État y était en compagnie de sa délégation. Le témoignage en images avec notre envoyé spécial, le président du Faso à Tillabéri, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Niamey, une région frontalière avec le Burkina Faso. Un grand défilé civil et militaire pour commémorer le 61e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Une fête nationale à seulement une semaine de l'attaque du camp d'Inates, ayant fait 71 morts. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, fait alors la revue de ses troupes. Deux chefs d'État sont là à ses côtés. Nana Akufo-Addo du Ghana et Rochmar Christian Kabore du Burkina, président en exercice du G5 Sahel, ensemble pour combattre un ennemi commun. L'engagement des forces armées nigériennes, un engagement derrière leur chef de l'État, le président Mahamadou Issoufou, un engagement pour la défense du territoire nigérien, mais aussi pour la sécurité de l'espace sahélien, c'est-à-dire l'espace du G5 Sahel. Et c'est le sens aussi de la présence du président du Faso, le président Rochmar Christian Kabore, qui a été délégué par ses pairs lors du dernier sommet extraordinaire pour représenter le G5 Sahel à cette commémoration. Des hommes, mais aussi de la logistique. Les drapeaux des pays du G5 Sahel et ceux de la CEDEAO flottent sur l'air du défilé. Tout un symbole, comme pour dire que c'est dans l'Union que le terrorisme sera bouté hors du Sahel. À la primature, les questions prioritaires sont abordées entre le Premier ministre et la Troïka. La gestion de la crise humanitaire, le retour de la paix et l'organisation des futures élections sont passées en revue afin de trouver des réponses adéquates. Pour sûr, les partenaires garantissent leur volonté d'accompagnement du Burkina à travers un programme d'urgence pour le Sahel élargi. Compte rendu d'audience avec Urbain Benito Sommé et Beleman Nestor Atoui. C'est une rencontre de haut niveau entre partenaires techniques et financiers de la Troïka et le chef du gouvernement burkinabé. L'objectif est de discuter des grandes questions afin de s'accorder sur les priorités du moment pour une coopération plus efficace. Nous avons abordé dans un climat assez ouvert, un dialogue assez fructueux, franc, trois aspects qui sont importants vraiment pour la situation actuelle, à savoir la mise en œuvre effective du bus élargi dans les zones impactées par l'insécurité et ou dites fragiles. Et aussi la vision globale du gouvernement quant à la gestion de la crise et mieux quant à l'avenir autour de la prévention et la consolidation de la paix. La question de la justice, le renforcement de l'état de droit, le respect des droits humains ont été abordés au cours de ces échanges. Nous avons enfin parlé des élections et au sujet des élections, les partenaires ont voulu juste avoir une idée globale
du budget final des élections à la date d'aujourd'hui, le travail continue, il y a encore des ajustements à faire, mais je peux vous dire, à travers le panier commun et les autres accompagnements, les partenaires à la date d'aujourd'hui ont pu mobiliser près de un peu plus de 10 milliards de francs CFA. À travers la mise en œuvre du programme d'urgence du Sahel élargi, les partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner le gouvernement burkinabé, mais bien sûr avec l'engagement des communautés elles-mêmes. Une confiscation des biens de la société Essakane à hauteur d'au moins 450 milliards de nos francs, et cela à titre de mesure conservatoire, de quoi faire crier scandale aux avocats de la société civile. La requête est celle des avocats de l'État burkinabé. Nous sommes au deuxième jour du procès et nous avons la teneur des débats avec notre spécialiste Maison Zoubaviel David Dabiri. Une nouvelle requête dans cette procédure, les avocats de l'État burkinabé introduisent ce soir une demande de mesures conservatoires. Selon les avocats, la société Essakane S.A. poursuivie pour blanchiment, faux en commercialisation de l'or, faux au usage de faux, faux en écriture et non-déclaration d'or aurait porté préjudice à l'État burkinabé. Préjudice estimé à plus de 450 milliards de francs CFA selon le rapport de l'expert douanier commis par le procureur. Pour Maître Rodrigue Edasso Bayala, la saisie des biens de la société comme garantie s'impose. Vous avez des poursuites qui sont engagées contre une société et des personnes physiques, principalement contre la société Amgol Essakane. Ces faits portent sur des exportations qui sont supposées frauduleuses en 2015, 2016 et une tentative en 2018. La tentative de 2018 a été appréhendée et saisie. Mais pour 2015-2016, vous n'avez rien. Parce que l'exportation a eu lieu effectivement, les traitements ont eu lieu, Amgol Essakane a encaissé les revenus. Donc les saisies sur le produit sont impossibles. Maintenant, nous sommes dans le cadre d'un procès. À supposer que le procès aboutisse à une condamnation de Amgol Essakane aux amendes et aux confiscations et aux dommages et intérêts, qui sont, je le dis, provisoirement évalués aujourd'hui à plus de 450 milliards 583 millions. Donc c'est un préjudice énorme que l'État burkinabé a subi. Nous estimons qu'à ce stade de la procédure, il est nécessaire que des garanties soient prises pour conserver et préserver les droits de l'État burkinabé au cas où nous aboutissons à une condamnation. Parce qu'une personne morale, c'est une société, peut disparaître du jour au lendemain. Vous savez, par quelques mécanismes juridiques, la société peut disparaître. La requête est soutenue par les parquetiers et l'avocat du Rhin-Lac. Les arguments développés pour la soutenir, eux, indignent les avocats de la société minière. Pour Maître Copio, les chiffres avancés sont fantaisistes. Et bien plus, il y a un acharnement contre Essakane S.A. Ce genre de saisie n'est pas de la compétence de la juridiction pénale. Ça, c'est régi par le code OADA. Donc, c'est la première exception d'incompétence du tribunal qu'on a soulevé. Maintenant, subsidiairement, c'est-à-dire que à supposer même que le tribunal estime qu'il peut donner, nous avons dit les montants qu'ils ont donnés pour demander de garantir ça conservatoirement, c'est des montants tirés des rapports d'experts que nous contestons. Nous avons estimé que les experts n'ont pas été nommés conformément à la loi. Les décisions du tribunal sur l'ensemble des exceptions soulevées dans cette phase seront connues le 14 janvier prochain, date de reprise de l'audience. Et sachez que ce jour s'est tenue la deuxième Assemblée générale de l'Union d'action syndicale. La situation nationale y a été évoquée et pour l'UAS, l'insécurité a atteint un seuil inquiétant et le pouvoir en place est interpellé. Elle s'insurge également contre les taxes et impôts qui pour elle sont injustes. L'instauration de l'UTS sur les primes et indemnités sont inacceptables. Les syndicats défendent les intérêts des travailleurs. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette actualité en images. La sécurisation des corridors est au cœur des préoccupations du groupe de plaidoyer des corridors biologiques. Pour ce faire, le groupe met un point d'honneur à l'élaboration des textes législatifs ou réglementaires garantissant un statut juridique aux corridors ainsi que leur préservation durable. Le sujet a été abordé avec la presse ce 18 décembre. Nous en apprenons davantage avec Souleymane Sanou et Oumou Cissé.
Il faut un statut juridique pour protéger efficacement les corridors biologiques entre le parc national de Podi-Kabore-Tambi, la Red Volta Valley et la forêt classée range de gibier de Nazenga. C'est le combat du groupe de plaidoyer de ces 10 corridors. Et pour cela, il a entrepris des actions pour une gestion durable de ces ressources. Il s'agit de la visite terrain des corridors biologiques dans les communes de Guiaro et de Ziou. Ensuite, la conduite d'une caravane de plaidoyer dans les communes de Gombousgou, Zabré, Zouaga, Ziou et Pau. La réalisation d'une étude sur le statut juridique que pourraient donc avoir ces corridors. La remise d'un message de plaidoyer à Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique. Et pour une meilleure protection participative et intégrale des corridors, l'opérationnalisation de l'accord entre le Burkina et le Ghana sera d'un grand apport. À travers cette initiative, les deux pays ont pris l'engagement de protéger les corridors de migration de la faune et développer des corridors de migration transfrontalière avec des statuts appropriés, garantissant la meilleure protection et mise en valeur des espèces. Les corridors ont été créés à la faveur de la composante du complexe Pau-Nazenga-Sicily et entrent dans le cadre du programme Ressources partagées, solutions communes. À l'Institut international d'ingénierie et de l'eau, on parle de la 7e édition des doctorales. Il s'agit de journées retenues pour mettre en exergue l'importance économique de la recherche et outiller près d'une cinquantaine de doctorants. La cérémonie d'ouverture qui s'est tenue ce 17 décembre à Ouagadougou a été immortalisée par Nongba Kouda et Mamadou Ba. Majeur, les doctorales offrent cette année l'opportunité à 49 doctorants issus de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2IE de Ouagadougou et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, mais aussi de l'Allemagne et de la France, de présenter leurs travaux de recherche. La 7e édition est placée sous le thème « Science, innovation et entrepreneuriat pour le développement ». Nous devrons suivre l'évolution de l'économie. Nous devrons suivre également les besoins des entreprises qui s'agrandissent, qui créent leurs propres centres de recherche, qui ont leurs propres problèmes de recherche. Et nos doctorants, nos futurs chercheurs doivent effectivement trouver la voie pour toutes ces possibilités d'emploi. Pour leur insertion professionnelle, les chercheurs en devenir pourront compter sur des entrepreneurs, des cadres d'institutions financières et des experts internationaux, principaux animateurs de panels sur l'entrepreneuriat. Nous allons, comme chacun en notre spécialité, voir si les thématiques qu'on leur a données sont des thématiques d'avenir, si ce sont des thématiques scientifiques, si ce sont des thématiques qui font de 2IE un outil de développement de non seulement du Burkina Faso où il est installé, mais du réseau des pays africains qui envoient leurs étudiants ici. Ces journées scientifiques seront également marquées par la remise des prix des meilleures communications et posters, du concours dénommé « Ma thèse en 180 secondes » et une exposition avec pour thème « Changement climatique vers des solutions réelles pour une meilleure résilience des populations ». Restons dans le volet éducation pour parler de l'offre qui s'élargit grâce au partenariat entre le Burkina Faso et le Japon. Une soixantaine d'établissements d'enseignement général seront bientôt fonctionnels. Un premier CEG a déjà vu le jour à Nyoko 2 et 8 autres sont attendus dans les régions du centre et du plateau central. Le coût total est estimé à 22 milliards de francs CFA. Cap donc sur Nyoko 2 pour l'inauguration avec Amadou Ilboudo et Sekou Zongo. Ce sont un bâtiment pédagogique et administratif de 8 salles équipées et de blocs de latrines qui sont offerts à l'école Nyoko 2. Des infrastructures qui vont contribuer à accroître et à améliorer la qualité de l'éducation. Nous sommes heureux aujourd'hui donc d'inaugurer ce CEG qui a démarré avec 52 élèves. Et nous sommes très heureux parce que ces élèves-là ne connaîtront pas donc le phénomène de bâtiments d'emprunt. Je pense que pour qu'il y ait une bonne éducation, il faut qu'il y ait des infrastructures.
et Ouagadougou est vraiment fier hein, de voir que tous les 3 mois, on inaugure une infrastructure scolaire de haute qualité hein, pour le plus grand bien des élèves de la ville. Ces réalisations sont le fruit d'un projet conclu sur la base de dons entre le Burkina Faso et le Japon à travers l'Agence japonaise de coopération internationale, l'AJICA. Notre gouvernement et l'AJICA mettent l'accent sur surtout le renforcement de l'éducation comme la priorité des priorités. Nous continuons notre coopération avec le ministère de l'Éducation. D'un coût global de plus de 22 milliards de francs CFA, ce projet à terme permettra de réaliser 61 collèges d'enseignement général CEG. Cette cérémonie marque le début d'inauguration de 8 autres CEG dans les régions du centre et du plateau central. Ils ne sont pas en reste dans la reconnaissance traduite par l'État à ses fils valeureux. Les agents dévoués de l'administration pénitentiaire ont été décorés ce 17 décembre à Ouagadougou. 19 ont reçu la médaille d'honneur de la sécurité pénitentiaire et 45 la médaille commémorative. Les détails de la cérémonie avec Amadou Ilboudo et Sekou Zongo. Pour leur dévouement et leur abnégation au travail, ils reçoivent la reconnaissance de la nation burkinabé. Ces récipiendaires, tous de l'administration pénitentiaire, reçoivent ces distinctions comme un soulagement pour certains et pour d'autres, une invite à redoubler d'ardeur au travail. Ce sont des sentiments de joie pour cette distinction qui marque une reconnaissance de mes supérieurs hiérarchiques. Et je dédie cette médaille à mon fils. C'est d'abord avec beaucoup de fierté que je reçois cette médaille, mais au-delà de la fierté, avec beaucoup d'humilité surtout. Je voudrais dire que ce travail qui a été reconnu, je le dois d'abord à mes supérieurs qui ont bien voulu me confier cette mission-là. Je le dois aussi à l'ensemble de mes collègues, mes collaborateurs qui m'ont aidé dans le cadre de cette mission et aussi à ma famille. L'administration pénitentiaire est dans une phase d'humanisation et cette soirée de reconnaissance prend également en compte les personnes civiles qui y travaillent. Nous venons de procéder donc à des décorations, la médaille d'honneur de la sécurité pénitentiaire qui récompense des éléments travaillant dans l'administration pénitentiaire civile ou de la sécurité pénitentiaire. Alors nous avons également la médaille commémorative qui vise à récompenser les éléments donc, de la sécurité pénitentiaire qui, étant allés dans les missions, qui ont fait montre de leur abnégation et de l'efficacité au travail. Au total, 19 personnes ont reçu la médaille d'honneur de la sécurité pénitentiaire et 45 autres la médaille commémorative. Toutes ces reconnaissances s'inscrivent dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le duo se veut gagnant entre l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs semenciers et l'Université Joseph Kizerbo. Ensemble, elles tentent l'aventure de l'amélioration des productions céréalières à travers le préalable de la formation des membres de l'Union. Une cinquantaine de participants venus des 45 provinces sont de ce fait en formation et ce pour 4 jours. Le témoignage de Lassina Ouattara et Amandine Lalsaga. Ils sont 52 participants, membres de l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs semenciers du Burkina qui prennent part à cette formation. Une formation assurée par les enseignants de l'université professeur Joseph Kizerbo qui vont pendant 4 jours revisiter avec eux les différentes techniques de production des produits du cru. Il y aura beaucoup de techniques. Il faut d'abord citer qu'aujourd'hui, c'est une formation qui va concerner 7 cultures importantes. Et nous allons commencer depuis donc la sélection variétale, en passant par les aspects de phytopathologie, c'est-à-dire les maladies, ainsi de suite, jusqu'à la conservation des semences. Il y aura une multitude de techniques qui seront donc présentées aux producteurs de semences. La formation est une initiative de la FETIER qui déroule ici son agenda de renforcement des capacités de ses membres. Aujourd'hui, l'environnement sous-régional et tout,
nous amène à renforcer davantage notre capacité pour aller un peu vers la production de la semence de base. C'est pour cela que nous avons sollicité à ce que l'université puisse nous accompagner avec tous les acteurs impliqués pour renforcer davantage nos capacités en matière de production de semences, pour offrir en tout cas aux producteurs des semences de haute qualité. Venus des 45 provinces du pays, ils sont soit entrepreneurs sémenciers ou producteurs sémenciers. Ils se sont engagés dans la voie de l'auto-emploi à travers l'entrepreneuriat et bénéficient de l'accompagnement du ministère de la Jeunesse. Le 13 décembre dernier, il leur a été remis des chèques de valeur allant de 300 000 à 6 millions de nos francs. Il s'agit des bénéficiaires de la région du Centre-Nord, Souleymane Ouedraogo et Issiaka Sebgo, à qui Jacques Lamissa Tarpaga a bien voulu prêter la voix. Ils sont 373 jeunes dans la région du Centre-Nord à bénéficier cette année de financements issus des fonds gérés par le ministère de la Jeunesse. Plusieurs jeunes entrepreneurs ont reçu leur chèque au cours de cette cérémonie à Kaya. Nous demandons à tous les promoteurs de savoir que ce que nous souhaitons d'eux, c'est qu'effectivement, ils s'engagent fortement. S'ils ont besoin d'appui, nous sommes là pour les appuyer. Et nous avons besoin que les jeunes, comme nous avons dit notre vision, c'est que ces jeunes-là deviennent donc des créateurs d'emplois. Pour les bénéficiaires, cet accompagnement du gouvernement permettra d'accroître leur chiffre d'affaires. Ce chèque va me permettre de vraiment me propulser et vraiment me faire des emplois parce que j'ai au moins une dizaine d'employés que j'ai recrutés. Alors donc ça va me permettre en temps. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Susciter une veille citoyenne par les médias pour une bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Voici l'essence du prix AJB institué par l'Association des journalistes du Burkina. Le prix a livré son verdict avec trois prix décernés. Deux reviennent à la radiodiffusion télévision du Burkina. Notre reporter Oumar Zombré est lauréat dans sa catégorie avec son grand reportage sur les marchés publics. Vincent Kendrobego pour la cérémonie de remise. Trois lots étaient en jeu pour l'édition 2019 du prix AJB de la redevabilité et du contrôle citoyen. Dans la catégorie économie, c'est le journaliste Oumar Zombré de la RTB Télévision qui l'emporte. Représenté, son prix est remis par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Fulgence Dandjino. Un prix qu'il remporte grâce à son œuvre titrée « Bienvenue dans le clair-obscur des marchés publics ». Un grand reportage qui met en lumière certains travaux publics mal exécutés sur fond de corruption. Le jury a relevé le bon travail de fond et la qualité esthétique de ce grand reportage. Dans la catégorie santé, Pinidie Nyanou de la RTB de Dori, aussi représenté, est le lauréat avec une production radio. Cheikh Tiga Sawadogo du portail d'information en ligne lefaso.net s'est imposé dans la catégorie éducation et reçoit des félicitations de Maître Alidou Ouedraogo, figure emblématique du monde de la société civile. La presse participe ainsi à la quête de cette perfection-là pour une gouvernance vertueuse et une redevabilité qui rende chaque acteur responsable des actes qu'il a posés. Félicitations donc aux trois lauréats. Chacun des trois prix est composé d'une attestation, d'un trophée plus 750 000 francs CFA. Pari réussi pour l'Association des journalistes du Burkina, dirigée par Gezouma Sanogo, qui peut toujours compter sur son partenaire pour l'organisation de la prochaine édition du prix AJB de la redevabilité et du contrôle citoyen. La gestion et la prévention des conflits au cœur des objectifs de l'ONAPAR, l'Observatoire national des faits religieux à travers sa session annuelle, fait une mise à niveau de ses nouveaux points focaux. La session est aussi mise à profit pour renouveler le bureau et faire le bilan des activités passées. Jean-Eudes Bayala et Aimé Solange Guigma. Cette session de l'Observatoire national des faits religieux, ONAFAR, va consister à renouveler le bureau et à faire le bilan des activités réalisées. S'il y a des motifs de satisfaction pour les efforts consentis pour la promotion de la culture, de la paix et de la tolérance, force est de constater que des défis demeurent. Le défi véritable, c'est les réseaux sociaux qui publient toute information qui passe entre les mains des citoyens
et qui, sans vérifier, sans connaissance, ils publient cela et ça contribue à remettre en cause les acquis de la coexistence pacifique entre les communautés religieuses et entre les citoyens. Donc, à ce niveau-là, peut-être que le CSC trouvera vraiment le système le plus approprié pour pouvoir mieux contrôler ces réseaux. C'est également une occasion pour renforcer les capacités des nouveaux points focaux en vue de rehausser leurs compétences en matière de gestion et de prévention des conflits. Mis en place en 2016, l'Observatoire national des faits religieux a pour principal objectif de promouvoir la coexistence pacifique entre les communautés religieuses, la dignité et la liberté de chacun dans le respect des différences de croyances, de culture et d'opinion. La loterie nationale burkinabé est désormais certifiée ISO 9001 version 2015 du système de management qualité. La certification obtenue depuis juillet 2019 a été révélée ce 18 décembre à Ouagadougou. La reconnaissance vient comme une valeur ajoutée à la Lonabé au plan international et local en matière de management. La Lonabé qui a d'ailleurs procédé à la remise d'un gros lot à un parieur. Nous voyons cela avec Oscar Soulama et Marguerite Douagno. Il a misé 900 francs CFA au pari mutuel urbain et il remporte 77 millions de francs CFA. Rasmane Ilboudo est le premier grand gagnant de la loterie nationale burkinabé officiellement certifiée ISO 9001 version 2015 du système de management qualité. La certification AFMAC AFNOR qui fait de la Lonabé une entreprise innovante et performante, contribuant au développement des petites et moyennes entreprises et industries. Une fierté pour l'entreprise tout entière qui entre ainsi dans la cour des grands, car c'est une reconnaissance qui augure de nombreux changements au sein de la société. Les changements invisibles, c'est le respect que la Lonabé aura au plan international. À la face du monde, tout le monde saura que la Lonabé travaille en respectant les critères du système de management de la qualité. Les changements visibles que vous allez constater, c'est l'action de la Lonabé envers sa clientèle, envers ses partenaires, envers la société d'une manière générale. La certification de la Lonabé est le fruit d'un long processus qui a démarré en 2016 et l'on doit l'obtention de cette reconnaissance à un groupe d'experts qui a œuvré inlassablement à cela, en l'occurrence le groupement de cabinets Yontz Associates, CIMAC International et l'ABEMAC. La certification, ce n'est pas un diplôme, et c'est tout simplement une reconnaissance de la conformité de votre système de management par rapport aux exigences et d'une norme internationale qu'on a appelée ISO 9001. Bien que cette certification ne soit pas une fin en soi, la Lonabé reste convaincue qu'elle va contribuer à renforcer la confiance de l'ensemble des clients et des partenaires. Pour cela, ce sont des efforts qu'il faille poursuivre pour demeurer une entreprise de qualité au service de l'économie nationale et de tous les partenaires en attendant 2022 pour la prochaine réévaluation. Hors de chez nous aux États-Unis, la Chambre des représentants adopte ce jour les articles de mise en accusation de Donald Trump pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. En cause, le fameux appel téléphonique à son homologue ukrainien. Le président américain, pour sa part, dit être victime d'une croisade vicieuse et d'un acte anticonstitutionnel des démocrates. Aux États-Unis, tous les regards sont tournés aujourd'hui vers la Chambre des représentants pour un vote qualifié d'historique dans la procédure d'impeachment de Donald Trump. Démocrates majoritaires et républicains minoritaires devraient débattre pendant 6 heures avant d'adopter 2 articles de mise en accusation formelle du président américain pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. En cause, un échange téléphonique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, à qui il aurait demandé d'enquêter sur son probable rival démocrate dans la course à la Maison-Blanche, Joe Biden, en échange d'une aide militaire américaine accordée à Kiev. Des accusations niées en bloc par Donald Trump, qui à la veille de ce vote a rédigé une lettre au vitriol dans laquelle il évoque un acte anticonstitutionnel et un abus de pouvoir sans précédent de la part des démocrates. Il les accuse d'avoir cédé au chantage de la frange d'extrême gauche du parti.
la plus dérangée et la plus radicale, selon ses termes. Selon lui, ses adversaires n'ont pas digéré leur défaite dans les urnes en 2016 et il ajoute que le peuple américain les tiendra pleinement responsables lors de l'élection de 2020. Avant lui, seuls deux autres présidents ont fait l'objet d'une telle procédure de destitution, Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998, Richard Nixon ayant préféré démissionner suite au scandale du Watergate en 1974. Donald Trump, qui se présente volontiers en victime d'une croisade vicieuse, espère que tout cela favorisera in fine sa réélection l'an prochain dans un pays profondément divisé entre ses partisans et ses détracteurs. Après le vote de la Chambre basse, qui sera sans doute une simple formalité, il reviendra au Sénat d'organiser le procès du président, probablement le mois prochain. Mais les républicains, qui détiennent la majorité, ont d'ores et déjà prévenu qu'ils seraient acquittés. Un rappel, ce jour s'est tenue la deuxième assemblée générale de l'Union d'action syndicale. La situation nationale y a été évoquée et pour l'UAS, l'insécurité a atteint un seuil inquiétant et le pouvoir en place est interpellé. Elle s'insurge également contre les taxes et impôts qui pour elle sont injustes. L'instauration de l'UTS sur les primes et indemnités est inacceptable pour les syndicats qui disent défendre les intérêts des travailleurs. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain jour.